Bonjour à tous, bienvenue sur Best TV. Alors, Néouda, choquée que des vendeurs de drogue prennent de lourdes peines en France. Je vous laisse avec sa story. Attendez. Donc, comme d'habitude, j'arrive, je débarque de nulle part, c'est pas grave, je suis sur mon Snap. Je viens de voir qu'un homme, pas un homme, un monstre, qui a violer son bébé de 15 jours, qui a pris 14 ans de prison. Excusez-moi. Pardon. Et à côté de ça, on met des peines plus lourdes à des mecs qui ont carotte l'État. C'est-à-dire tout ce qui est histoire de drogue, vendeur de drogue, etc. Les gros, hein, je vous parle, qui prennent des grosses peines. Croyez pas, c'est parce que, oh là là, c'est parce qu'ils ont pris beaucoup d'argent et que ça dérange la France. Donc mon Snap, il va encore, évidemment, comme d'habitude, dès que j'ouvre ma bouche, les vues, elles vont être restreintes. Mais là, je peux pas garder ça pour moi, en fait. C'est pas possible. Mais je... Vraiment. Il y a un pote qui m'a dit ça il y a quelques jours. C'est vraiment genre... La France, le dicton de la France, c'est... Touche à mon enfant, pas à mon argent. La vie de ma mère. J'ai envie de vomir. Je vous jure, ça me choque au plus profond de moi-même. Enfin bref, vous êtes tous d'accord avec moi sur ce point-là. Là, je me calme. Je vais aller chercher mon papa et on va visiter un endroit parce que je vous avais dit que je suis en train de créer mon propre mon projet. Et du coup, voilà, on va visiter un endroit. J'espère qu'il sera à la hauteur de mes espérances.